pour un nouveau numéro de Fréquence Médiévale. Et Fréquence Médiévale, cette fois, nous allons parler d'un sujet brûlant. Je suis à l'église de la face, excusez-moi. Donc, nous allons parler des dragons au Moyen-Âge. Et donc, on reçoit pour ça une doctorante, en fait, hein, qui consacre donc son doctorat, sa recherche, donc, à ce sujet passionnant, donc, des dragons au Moyen-Âge. Et donc, voilà, donc on va, donc, tu vas te présenter, Marion, voilà, donc, présente-toi, présente un peu ton travail, et puis après, on va rentrer dans le vif du sujet. Et on va parler donc de ces créatures. Donc merci de m'accueillir. Il n'y a pas de quoi. Oui, je fais ma thèse sur l'iconographie du dragon à l'époque médiévale, en prenant l'exemple des manuscrits des Physiologus et des Bestiaires, ce qui peut paraître tout petit dans l'océan de dragons de cette époque, mais qui permettra en fait de vraiment définir ce que c'est que le dragon, puisque c'est ce qui manque un peu. C'est une vraie définition du dragon à l'époque médiévale. Bah déjà, en fait, on en avait un tout petit peu parlé quand on avait fait l'émission sur les animaux ou sur les monstres avec Pierre-Olivier Dittmar, je ne sais plus laquelle, enfin, l'une des deux. C'est qu'en fait, là, toi-même, ça se voit, c'est que quand tu étudies les dragons, tu parles d'un bestiaire. Donc, un bestiaire, c'est un des livres qui décrivent des animaux, ce qui fait que les dragons sont considérés comme des animaux, comme les autres, en fait, à l'époque médiévale. Oui, complètement. En fait, les bestiaires, donc, double intérêt, c'est que donc il y a des textes qui nous raconte un peu aussi la symbolique, pardon, et il y a une iconographie qui est associée. Donc ça permet d'avoir les deux plans du dragon, à la fois texte et image. Et en plus de ça, les bestiaires sont les héritiers d'un autre texte qui s'appelle le Physiologus, qui fait la synthèse entre zoologie dans l'Antiquité et les débuts du christianisme et de la pensée chrétienne. Il va y avoir une association en fait de ces deux cultures. C'est une zoologie, c'est en fait en gros tous les travaux des naturalistes, genre oui, Pline, des choses comme voilà, ouais. En gros, qui décrivent la nature, voilà, avec. Et les animaux, et en fait, la zoologie linéenne n'existait pas à l'époque. Et donc, en fait, les animaux étaient considérés en fait comme existants, même s'il n'y avait personne qui les avait vus. Pline raconte, on dit que. Ouais. En Inde, en Éthiopie, etc. Donc ça déjà c'est assez intéressant pour le dragon. Parce que ça veut dire en fait concrètement dans la tête des gens c'est que le dragon existe, mais il n'existe pas dans leur région, mais il existe dans des territoires extrêmement lointains. Voilà. En fait, hein. Ouais. Mais en fait, parce que le dragon, même le dragon mythologique, parce qu'il y a deux dragons en fait qui existent pour moi, il y a vraiment le dragon mythologique qu'on retrouve des Hésiode, ouais. Qui donc est dans le plan voilà, au bord. Du monde, ouais. Aux limites du monde. Et ensuite, il y a le dragon zoologique qui, lui, est aux confins du monde, mais géographiquement. D'accord. Donc, il y a d'un côté le dragon des premiers temps et puis le dragon qui donc est situé aux marges. Soit des confins temporels, soit voilà. Des confins géographiques. Géographique. Ouais, d'accord, ouais, d'accord, ok. Et le dragon des bestiaires, en fait, fait partie plutôt des dragons zoologiques. Ouais. Et en fait, dans la géographie, les dragons qu'on va retrouver sont plus du registre mythologique. Il y a vraiment deux branches en fait qui vont un peu évoluer en parallèle. Ouais. Où dans la géographie, en fait, le modèle qui est repris hein, de manière assez schématique. La géographie, je précise, c'est les histoires de saints. Ouais, voilà. C'est les histoires, en gros, c'est les Saint-Georges qui tue le dragon, c'est de la géographie. Voilà. Donc, ou Saint-Marcel qui fait fuir le dragon. Et en fait, le schéma du saint combattant le dragon, qu'on dit sauroctone, mais en fait, sauroctone, ça veut dire tueur de lézards. Et en réalité, dans la géographie, les saints mettent rarement le dragon à mort. Tout à fait. Il est soit mis en attaché, ouais. Soit on lui demande de s'en aller. C'est le cas de Saint-Marcel qui va faire fuir le dragon de Paris. Il ne le met pas à mort, le dragon s'échappe dans la Seine. Il a augmenté le loyer de Paris, et puis voilà, donc, ça s'appelle la gentrification. Voilà, exactement, c'est pour ça que le 13e est aussi cher. N'est-ce pas, voilà. Donc c'est une blague de Parisien, excusez-nous. Voilà, donc ça, c'est le dragon hagiographique, donc qui est un peu à la suite des grandes figures héroïques de l'Antiquité. Ok, alors on partons là-dessus, d'accord, sur le dragon géographique, enfin géographique légendaire plutôt, hein, donc pas zoologique, géographique, mais voilà. Le dragon des temps anciens, parce que c'est une question qui te tarabuste, parce que évidemment, dans la légende du Moyen-Âge, il s'appuie sur, tu l'as dit un petit peu, sur les textes antiques, hein. Ils lisent beaucoup, contrairement à ce qu'on pourrait croire, hein, c'est des gens qui lisent beaucoup les textes antiques, hein, les textes romains, un peu moins grecs, hein, mais, ou en tout cas les textes grecs, mais par les traductions latines.
Il y a des histoires de dragons dans la littérature gréco-latine, en fait. Hein. Par exemple, moi, je pense tout de suite, évidemment, au serpent Python, ouais. Hein, donc, que tue Apollon pour fonder sur le site de ce qui va devenir le site de Delphes, en fait. Hein. Est-ce que les gens du Moyen-Âge, ils vont classer ces monstres-là comme des dragons? Et derrière, évidemment, la question que je te pose, c'est en gros, comment est-ce qu'on définit un dragon au Moyen-Âge? Alors, c'est toute la question. N'est-ce pas, voilà. Mais en fait, c'est ça qui est extrêmement compliqué. D'où le choix des bestiaires, puisque le terme, au moins, draco, il est, on l'a. C'est un terme qui vient d'où? Du latin ou du grec? Qui vient du latin, pardon. Ouais. Donc, draco, donc, qui vient en latin, qui vient lui-même du grec, dracon. Ouais. D'accord. Et en fait, dracon, c'est la même racine que dercomai, qui signifiait regarder, fixer. D'accord. Et qui est associé, alors, sur le pourquoi est-ce que dercomai, enfin dracon, dercomai, soit c'est parce qu'on associe au serpent ce regard puissant, ouais. Et au dragon notamment, ce regard qui veille en permanence, avec le dragon gardien de trésor, hein. Ouais. Ça existe déjà dans l'Antiquité. Ouais, ça c'est pour l'étymologie, on ne sait pas exactement quel est le lien qui existe fortement entre dercomai et dracon, mais en tout cas, dracon a donné draco en latin. Et donc dans les bestiaires, le dragon, donc, il apparaît toujours comme étant le draco maior, donc qui est le plus grand des serpents. D'accord. Pour en revenir à la classification, dans les bestiaires, en fait, dans les bestiaires de ce qu'on appelle de la seconde famille, qui reprennent en fait le classement qui a été proposé par Isidore de Séville, qui lui-même s'appuie sur Pline. Ouais, donc Isidore, c'est 7e siècle. 6e siècle. Ouais, donc, 586-600, ouais. Je ne sais plus ta date de mort, mais entre, en la jonction 6e, 7e siècle. Donc il écrit les étymologies, notamment le livre 12, qui traite des animaux. Ouais. Et il organise le monde zoologique en fonction de grandes classes. Ouais. Et le dragon rentre dans la classe des serpents. Des serpents. Et même mieux que ça, c'est le premier des serpents, la première espèce de serpent étudiée dans ce livre des serpents. On s'appelle le roi des serpents, quelque part. Alors non, parce que le roi des serpents, c'est le basilic. Ah. En fait, les deux se construisent un peu... Que tu as étudié, toi, dans ton master. J'ai étudié dans mon master. Voilà, donc... Voilà, donc le dragon, c'est vraiment le plus grand des serpents, qui a comme caractéristique d'avoir un tout petit nez, d'où s'échappe de la fumée, une langue qui est fourchue, et surtout, qui a des dents, mais dont la force réside dans la queue et non dans la gueule. Ça, c'est toujours... Le dragon au Moyen-Âge, il tient sa force de sa queue. Oui, oui, oui. D'ailleurs, même pendant les processions d'érogation, en fait, où on promène des dragons, le dragon, il a la queue levée, et après baissée. Voilà. Donc, quand il est baissé, évidemment, c'est signe de défaite, en fait. Donc, donc là, c'est un serpent. Mais alors, tu vas répondre quoi? Enfin, parce qu'on va souvent dire que le dragon, c'est aussi un hybride, en fait. C'est un être hybride. Parce qu'en plus, c'est là où c'est compliqué, parce que par certains saints dissauroctones ou saints dompteurs de dragons, dont sont classés comme des saints sauroctones, je pense à Sainte-Marthe par exemple, à Tarascon, à le dompte de la Tarasque. La Tarasque, ça n'a pas vraiment une tête de dragon comme on l'imagine, parce que c'est une espèce de tortue pas ninja, voilà, qui est sur quatre pattes avec une espèce de grosse, c'est pareil, elle a une queue, mais avec une espèce de boule avec des pics et tout, donc c'est assez étonnant. Est-ce que c'est le dragon, c'est un être hybride auquel on va mettre des trucs? Parce qu'il y a aussi il y a des ailes, par exemple. Des ailes. Alors effectivement, quand on regarde l'iconographie des dragons, c'est vrai qu'il y a quand même quelques éléments qui reviennent systématiquement. Mmh. C'est la présence de pattes et d'ailes. Mmh. Pattes, pas toujours. Mais bon. Et quand on regarde, notamment dans les bestiaires, quand tu prends le livre des serpents et que tu regardes toutes les iconographies des serpents, on se rend compte qu'il y a un schéma iconographique qui se retrouve sur différentes espèces. Mmh. Et que les pattes et les ailes ne sont pas spécifiques au dragon. On retrouve ça chez le basilic, ce qui est normal puisqu'il est moitié coq, moitié serpent. On retrouve ça chez le boa, dont la simple caractéristique est d'être le plus grand des serpents, enfin un très grand serpent. Ouais. On retrouve ça aussi chez l'aspic, chez la vipère. En fait, il y a plusieurs serpents qui vont avoir ce type iconographique de pattes et d'ailes. D'accord. Et d'oreilles pointues. Ok. Et en fait, c'est la question c'est de là en fait où est partie ma question. C'est que quand j'ai commencé ma thèse, j'étais pleine d'entrain et je voulais traiter l'iconographie du dragon
partout, enfin du 5e, 15e siècle dans tout l'Occident. Bien sûr, oui. J'ai bien compris que ce n'était absolument pas possible. Ouais. Et c'est surtout que, en fait, au bout d'un moment, à force de classer des dragons, je commençais à mettre certains animaux ou dragons de côté en me disant non, mais ça, c'est pas des dragons. Et en fait, c'est là où je me suis posé la question, ok, bah, qu'est-ce qui va définir iconographiquement un dragon ? Et en fait, c'est extrêmement compliqué de définir iconographiquement un dragon par rapport au reste des autres serpents. Alors, ça, c'est le cas très précis des bestiaires. Ouais. Est-ce que dans... du coup, je suis assez prudente sur la question de la représentation du dragon en dehors de ce médium particulier, parce qu'il y a des éléments iconographiques. Alors, sauf quand on est face à un Saint-Georges qui met à mort le dragon, ça, on sait que, ouais, quelle que soit la forme de l'animal, c'est forcément un dragon. Mais par exemple, Saint-Michel, qui normalement met à mort le dragon. Là, c'est le dragon, puisque c'est le... C'est le dragon de l'Apocalypse, ouais, en plus. Donc voilà, ouais, qui a des caractéristiques physiques dans l'Apocalypse qui ne sont jamais représentées après dans la sculpture, etc. Ouais. Et en fait, assez rapidement, Saint-Michel ne va plus mettre à mort un dragon, mais un démon. Donc voilà, il y a une frontière en plus, ouais, entre... C'est marrant parce que même quand tu dis des ailes, par exemple, hein, tu vois, je pense à un autre détail, c'est qu'en fait, les ailes, quand tu me montrais par exemple le manuscrit du bestiaire d'Aberdeen, en fait, voilà, donc, qui est du 12e siècle, les dragons, ils ont des ailes d'oiseaux, en fait. Ouais. Et alors que dans certaines autres iconographies, moi je pense par exemple, il y a des représentations de Saint Clément qui domptent des dragons à Metz, par exemple. Si je me souviens bien, le dragon, il a plutôt des ailes de chauve-souris. Ouais. Voilà, donc... pourquoi, comment, quoi qu'est-ce... Alors, la question du changement d'iconographie des ailes, en fait, ça, on le voit apparaître à la toute fin du XIIIe siècle. Fin XIIIe, début XIVe siècle, où il y a un changement dans l'iconographie des ailes du dragon. Même dans les apocalypses, avant la moitié du XIIIe siècle, c'est toujours des ailes d'oiseaux, mais qui sont exactement les mêmes ailes que les anges, ouais, au niveau de la couleur, etc. Et effectivement, il y a cette rupture autour de 1300 où les ailes vont devenir des ailes de chauve-souris. Alors, la question de ce passage des ailes d'oiseaux aux ailes de chauve-souris, elle est assez compliquée à saisir, en fait. Mmh. Elle est marquée temporellement. Enfin, c'est une évolution, de toute façon, c'est pas d'un coup toutes les ailes du dragon qui vont devenir comme des chauves-souris. Il y a une proposition qui a été faite par Baltrosaitis il y a bien longtemps, mais qui est assez intéressante. C'est la découverte, en fait, via les voyages de Marco Polo, des iconographies des démons asiatiques qui ont des ailes de chauves-souris et qui auraient eu une influence, qui aurait été ramenée soit par le biais de tissus, soit par d'autres biais, d'accord, et qui seraient arrivées dans l'iconographie occidentale. Alors bon, peut-être, mais je pense qu'il y a aussi autre chose, et peut-être une réflexion aussi sur est-ce que le dragon peut avoir les mêmes ailes que les anges, enfin, ouais, peut-être il y a un côté je pense qu'il y a plusieurs facteurs, en fait, qui sont rentrés en jeu pour ce changement, mais certaines iconographies qui sont assez classiques, en fait, qui n'évoluent pas beaucoup, type dans les bestiaires, jusqu'au XVe siècle, les dragons ont encore des ailes avec des plumes d'oiseaux, alors que sur tous les autres supports, ils ont des ailes de chauve-souris. Oui, même vraiment, moi je pensais par exemple à une sculpture qui est sur Notre-Dame de Paris, même si de Saint-Marcel, en fait, en train de dompter le dragon, voilà, elle a été refaite au XIXe siècle, hein, mais l'aile, le dragon, il a, c'est repris par rapport à l'original médiéval, en fait, hein. Le dragon, il a des ailes d'oiseaux aussi. Ouais, en fait. Alors, il a des ailes d'oiseaux. Ouais. Et en fait, il y a plusieurs exemples de dragons avec des ailes d'oiseaux en sculpture. Il y a une tombe qui est conservée au British Museum, avec un dragon qui est avec ses ailes d'oiseaux, qui est vraiment typique, en fait, du XIIIe siècle, en fait, 12e, 13e siècle. Et qu'on retrouve, voilà, en France et en Angleterre. Et qui est le schéma qui se retrouve dans l'Occident et qui, pour moi, est, voilà, le schéma iconographique du dragon. Mais en même temps, est-ce que la représentation du dragon sur certaines scènes, notamment je pense à la cathédrale de Chartres, où il y a une représentation de l'arbre
où Ève va cueillir la pomme avec un dragon enroulé en fait, mais qui parfois est en fait qui est le serpent, mais qui parfois est sous les traits du dragon. Ouais. Donc voilà, ça pose aussi les limites. Est-ce que c'est un dragon qui est vraiment représenté, ou est-ce que c'est le dragon en tant que représentant le plus maléfique, le plus chargé négativement, symboliquement aussi, des serpents? Parce que le serpent a une symbolique ambiguë. Mais en fait, le dragon aussi. Tu vois, c'est ça qui est assez étonnant, c'est qu'en fait, quand tu regardes bien. Parce que là, en effet, quand tu vas prendre des histoires comme Saint-Georges, etc., bon là, le dragon, il n'est pas positif. Évidemment, l'Apocalypse, voilà, donc en plus, l'Apocalypse, c'est, je pense que c'est une question de traduction, parce que je sais pas si l'original. Voilà, donc oui, l'original en grec va dire dragon, peut-être, ou pas, bon, voilà. Oui, c'est le dragon, mais surtout voilà. Dans l'Apocalypse, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment le texte qui va charger le dragon vraiment négativement, puisque le dragon est dit comme étant l'antique serpent qui est l'antéchrist. Enfin, c'est à donc, charge dans l'Apocalypse et plusieurs fois. Ouais. Donc t'as un retour par rapport à la Genèse. Ouais. Donc l'antique serpent, c'est le serpent de la Genèse. C'est le serpent de la Genèse, tout à fait. Ouais, donc il voilà, y a des liens qui se font en fait. Mais le statut du. Voilà, comme le statut du serpent est assez ambigu, est-ce que aussi le choix iconographique. Parce que tu vois, moi je pense que tu vas voir. Donc en effet, tu as des versions négatives de dragon, ça c'est sûr et tout. Est-ce que. Enfin, il y a quand même des. Le dragon peut servir de symbole positif. Il peut y avoir peut-être des blasons avec des dragons, je pense. Il peut y avoir aussi des ordres du dragon, par exemple, une sorte de chevalerie, en fait. Hein. Donc il y en a plusieurs, je crois même. Donc, C'est le jeu de puissance. Ouais. C'est que le dragon, c'est un animal puissant et il y a une force physique. Enfin, tu me diras, on a la même chose avec le lion, parce que oui, c'est aussi comparé avec le diable par certains. C'est puis, ça, puis en même temps, c'est une figure très positive. Dans les bestiaires, c'est une figure qui est très positive. Enfin, voilà, il y a toujours cette ambiguïté symbolique. Le dragon l'a pas énormément. Et le choix de prendre un dragon comme emblème, c'est quand même pour asseoir une puissance et une force physique. Et indomptable aussi en même temps. Ouais, regardez Targaryen par exemple, cette voilà. Exactement. Enfin. Ah non, c'est pas le Moyen Âge. Non, oui, excusez-moi. Mais oui, en effet, on est dans une symbolique. En effet, il y a une ambiguïté quand même assez forte. Quoi. Donc c'est assez amusant. Mais tu vois, c'est pareil. Moi, je pense toujours à cet article qui est très important, l'article de Jacques Le Goff sur le dragon de Saint-Marcel à Paris. En fait, il montre que le dragon, en fin de compte, comme tu dis, le dragon, il n'est pas tué par le saint, quoi. Il est dompté. Et donc, quelque part, le dragon, c'est, je simplifie à l'extrême le raisonnement de Le Goff, qui est beaucoup plus complexe et beaucoup plus riche que ce que je veux dire, c'est la nature, quelque part, en tout cas, c'est le fleuve, c'est l'eau, voilà. Donc, parce que si, le dragon est vachement lié à l'eau. Ouais, alors, il y a ça. Il y a, en fait, ce qui fait aussi toute la force du dragon, c'est que sa symbolique, elle est extrêmement mouvante. Parce qu'effectivement, dans le cas de Saint-Marcel, c'est la terre sauvage, en fait. Ouais. C'est le. Parce que c'est la rive. C'est la rive gauche qui n'est pas encore habitée. Et donc, c'est à la suite de Saint-Marcel qui va faire fuir le dragon que la vie va pouvoir s'étendre sur la rive gauche. Donc, c'est vraiment la domination de l'élément qui est la nature. Ouais. Après. Et en plus de ça, dans Saint-Marcel, et ça, Le Goff le montre très bien, c'est qu'il y a aussi toute cette notion de d'où vient le dragon, parce qu'il est arrivé à un moment donné dans la légende. Il est venu hanter une femme adultère qui n'avait pas confessé ses péchés. Donc en plus, on retrouve la torture et la punition divine aussi. C'est l'allusion à Ève et tout, des choses comme ça. Donc voilà, en plus, juste en prenant Saint-Marcel, tu peux tirer quasiment... centaines de fils. Mais c'est quand même souvent lié à l'eau, les dragons, parce qu'ils apparaissent souvent dans des fleuves, des choses comme ça et tout. Donc, ils sont près des cours d'eau. Ouais. Alors après. Est-ce qu'il y a une raison à ça et tout. Ce que dit Le Goff, justement, là pour le coup, ça donne une petite raison, quoi. Mais. Parce que tu vois, dans l'imagerie du dragon contemporain, aujourd'hui, l'image du dragon, c'est plutôt. Il crache des flammes, quoi, par exemple. Est-ce qu'on a ça dans les textes médiévaux? Est-ce qu'il y a des allusions? Parce qu'il y a l'allusion, tu as dit tout à l'heure, au petit nez et à la fumée qui sort du nez. Mais est-ce qu'il y a des dragons cracheurs de flammes, des choses comme ça et tout? Alors, pas forcément dans les textes, des bestiaires en tout cas, mais dans l'iconographie, oui. Il y a un bestiaire qui est, me semble-t-il, le 3244 de la British Library, qui représente un dragon crachant des flammes. Mais c'est la seule iconographie de ce type que j'ai pour...
pour ce support en fait. Et l'association en fait du dragon avec les différents éléments, parce qu'il y a quand même ça qui rentre en jeu en fait, elle est pas montrée directement en fait. C'est le dragon quand en fait c'est quand le dragon sort de sa caverne que l'atmosphère se charge, que les éclairs se déchaînent, que la nature se déchaîne en fait. Mais et ça évolue en fonction des textes. Et le rapport du dragon à l'eau, dans la géographie, on l'a, effectivement, le dragon, il est à côté des cours d'eau, il va s'en aller par les cours d'eau, mais j'ai pas énormément de textes qui... Au contraire, dans les bestiaires, on dit que le dragon qui combat l'éléphant, quand l'éléphante doit enfanter, elle va dans l'eau parce que le dragon a peur de l'eau, qu'il ne peut pas aller l'attaquer. D'accord. Donc voilà, il y a différentes versions. Donc en fait, oui, donc ça dépend en fait. En fin de compte, dépend du contexte en fait. Ouais. Et il n'y a pas un dragon, il y a plusieurs dragons. Et en fait, voilà, moi je travaille sur les dragons dans les bestiaires. Et en fait, quand à chaque fois je tire un peu ce que j'ai des bestiaires vers la géographie, il y a des choses qui sont complètement contradictoires. Je pense que c'est ce qui fait aussi la force du dragon, c'est que ça a été repris et que... Et c'est là où... Est-ce qu'on peut parler de composite? Oui, c'est qu'à chaque fois, on va lui amener différents éléments dans sa description pour soit le rendre dégoûtant quand on dit qu'il a des pustules sur le corps ou... On peut l'adapter, en fait. S'adapte. Ouais, mais alors que pourtant dans les lumières que tu peux montrer, il n'est pas dégoûtant en fait, c'est plutôt beau. C'est plutôt majestueux quoi, en fait. Ouais, donc c'est assez fascinant. Mais est-ce que on a parlé un petit peu, donc il y a eu des rapports avec parce que les dragons dans l'Antiquité, ils sont pas forcément, enfin ils sont pas forcément négatifs en fait, en fin de compte. Donc est-ce que il y a des est-ce que dans les textes médiévaux ils vont citer par exemple les dragons antiques et tout, des exemples? Enfin, ce qu'ils disaient des dragons légendaires et tout, est-ce qu'ils vont en parler ou est-ce qu'ils vont mettre ça de côté? Et ça, notre question, c'est est-ce que tu vas avoir des dragons aussi dans alors je sais pas si tu connais, dans l'espace byzantin par exemple, dans l'espace musulman, voilà, donc est-ce que tu vas avoir des allusions à ça? Parce que tous ces espaces-là, hein, donc l'espace occidental byzantin ou toutes les terres d'islam en fait partagent quand même un socle commun qui est aussi voilà, il y a une la culture de base, c'est la culture gréco-latine, hein, quoi, voilà, donc est-ce qu'il y a des allusions aussi gréco-latine et orientale, parce ouais, que et orientale, oui, avec Perse, enfin, avec la Perse et tout, ouais. Des dragons byzantins, j'avoue que j'en ai aucun en tête. Ouais. Je vais pas aller chercher des dragons dans l'islam, j'ai quelques exemples, notamment en astrologie. D'accord. Il y a des représentations du dragon qui, en plus, a des caractéristiques iconographiques qui lui sont particulières. En fait, quand on dans l'iconographie et même dans les premières représentations des dragons en Occident, dans l'Occident médiéval, je pense au Physiologus de Berne qui date du 9e siècle, qui est accessible en ligne. Le dragon, il est représenté comme un simple serpent. D'accord. Il est bleu, tous les serpents sont bleus. D'accord. Okay, mais c'est juste voilà, un serpent, il n'a pas d'ailes, il n'a pas de pattes, aucun élément comme ça. En islam, il y a des représentations de ce type de serpentiforme, purement. Et il y a un animal qui... Alors, je ne sais pas si on peut l'apparenter vraiment au dragon. Je trouve que iconographiquement, il y a des choses qui se ressemblent. De ce qu'on appelle la simourgue. Ok. Qui serait en fait un reste entre guillemets de la période perse antique, où c'est un animal avec deux pattes à l'avant, des ailes de plumes et une queue serpentiforme. D'accord. Et on retrouve ce même motif iconographique dans certaines apocalypses en Occident aussi, au 8e siècle, où le dragon est représenté de la même façon. Mmh. Avec des pattes félines en fait. D'accord. Et une gueule un peu allongée. Et
et une crinière. Enfin, il y a des éléments iconographiques en fait qui se retrouvent. Après, la question du dragon réellement dans l'islam, parce que c'est encore. Ouais, c'est autre chose, ouais, carrément. Ouais. C'est encore autre chose, et surtout en Orient, il y a d'autres restes archéologiques qui étaient encore visibles, avec certaines iconographies qui n'existaient pas forcément en Occident. Donc, iconographiquement, je pense que c'est pas forcément. Ouais, donc c'est y a peut-être plus une inspiration directe de l'Antiquité, c'est ça que tu veux dire, qu'en Occident, où il y a peut-être moins de restes en fait, iconographiques issus de l'Antiquité. Et un autre truc aussi, dernière chose en fait, sur les dragons, ces dragons-là, en fait, évidemment après. On passera sur toute la représentation contemporaine des dragons, où là on pourrait en parler pendant des heures et des heures et des heures. Là, c'est un sujet complexe. Mais c'est quand même marrant parce que même dans les représentations contemporaines, par exemple, tu vas voir les dragons de Game of Thrones ou d'Harry Potter, ils ont des crocs par exemple gigantesques, ils ont des gueules, tu sens que c'est des fêtes. Ah, ils ont des dents les dragons. Ah, ils ont des dents. Ils ont des dents, ouais, ils ont des dents. Ouais. Ça, c'est dit qu'ils ont une gueule pleine de dents. D'accord. Et iconographiquement, quand ils ont la gueule ouverte, on voit les dents qui apparaissent. Ça fait partie un peu des éléments qui permettent, pour moi, vraiment de reconnaître le dragon par rapport à un autre serpent. Mais effectivement, pour les dragons contemporains, ils ont quand même des éléments qui sont hérités de l'époque médiévale. Ils viennent pas non plus de nulle part. On trouve quand même la capacité de voler. Ça, c'est quelque chose que les dragons... à l'époque médiévale, ils conservent encore aujourd'hui. Après, la capacité à cracher du feu et d'être lié en fait avec différents éléments, que ce soit l'eau ou le feu ou la glace, par exemple Game of Thrones, j'espère que je ne spoil personne, mais voilà. Et après, par contre, ce qui est assez amusant, c'est que l'iconographie des dragons contemporains, en fait, elle est beaucoup plus proche de celle des dinosaures. Ouais. Que de celle des dragons. Oui, là, clairement, il y a même parfois des confusions entre les deux. Une des plus anciennes représentations du dragon dans le cinéma, c'est chez Fritz Lang, ouais. En 1924, dans les Nibelungen. Le dragon, c'est un stégosaure. Ouais, c'est un stégosaure. Il y a des échanges qui se font. Et en fait, voilà, c'est cette capacité, ou en tout cas capacité qui a été donnée au dragon, de pouvoir évoluer, de pouvoir s'adapter aussi en fonction du contexte où il est cité, où il est représenté, qui a permis aussi de le faire évoluer, et du fait qu'il continue à être présent aujourd'hui. Donc, Et d'un truc, je sais que c'est un sujet que, enfin, moi je sais qu'on... On entend beaucoup ce genre de trucs, hein, donc on va dire, je sais que ça va te faire bondir. On dit, de toute façon, les dragons, voilà, aujourd'hui, on en a aujourd'hui dans les écrits imaginaires, enfin dans la fantasy, on en a à l'époque médiévale dans les bestiaires. Alors déjà une grande différence, c'est qu'aujourd'hui, on sait que c'est des animaux imaginaires, voilà, alors qu'au Moyen-Âge, ils pensaient que c'était, on l'a dit tout à l'heure, des animaux qui existaient réellement. Voilà. Donc déjà, vous voyez, il y a déjà une différence. Mais on va dire, oui, mais en fait, dans plein de... En Extrême-Orient, il y a aussi les dragons. En Australie aussi, avec le serpent, voilà, donc le serpent des aborigènes, voilà, le serpent du Dreamtime, en fait, voilà, donc des temps du rêve, en fait, voilà, il y a aussi une forme de dragon. Chez les Amérindiens, dans les peuples mésoaméricains, voilà, il y a le serpent à plumes, donc c'est un dragon et tout. Donc on va dire, en fin de compte, le dragon, c'est universel, voilà. Et donc, qu'as-tu à répondre? Parce que, en fait, voilà, en fait, là, c'est peut-être universel, mais en fait, mais est-ce que t'as quelque chose à répondre par rapport à ça, en fait? Donc, En fait, le problème, c'est que, comme tu dis, est-ce que en Amérique centrale, le Quetzalcoatl était considéré comme étant un dragon? Est-ce que même ils avaient la notion de dragon? Est-ce que c'est pas les Occidentaux qu'on connaît? Est-ce que, voilà, et c'est surtout la question, c'est pareil, en fait, enfin, c'est un peu comme ça que j'ai tiré mes recherches. C'était en partant vraiment du mot draco à une époque donnée, à quoi ça correspond, et pas l'inverse. Ouais. On a une... Tes dragons sont pas forcément les miens. Ouais. Et puisque même en fait, en fin de compte, dans l'Extrême-Orient, que ce soit en Chine ou au Japon, ce qu'on appelle nous des dragons... Je ne connais pas le terme chinois. Renseignez-vous. Voilà, vu qu'ils nous écoutaient, mais je crois me souvenir que par exemple les dragons, c'est plutôt presque des génies en fait, dans le sens des esprits, qui ont une connotation
plutôt, pas uniquement, hein, mais plutôt positive. Plutôt positive, voilà. Tout bon. En étant quand même. Faut pas les faire chier. Voilà, faut pas les faire chier. Ils ont pas d'ailes. Voilà. Donc, mais par contre, c'est des esprits un peu aériens, en tout cas, un peu éthérés. Donc, mais voilà, et en fait. Mais parce qu'en fait, si c'est là. On a retrouvé, en fait, dans les dragons asiatiques, dans le Quetzalcoatl, dans les dragons d'Australie, des éléments qui font penser aux dragons occidentaux. De là à dire que c'est la même bestiole déclinée en fonction de différentes populations, je pense pas. Ouais. Puis en plus, c'est même pas sûr que ce soit les dragons, soit des dragons reptiles, enfin reptiliens, ce qu'on peut le dire, je ne sais pas. Enfin, là, donc, encore une fois, je connais pas très bien, mais c'est. Mais voilà, donc, il y a quand même une spécificité quand même très nette du dragon occidental, d'autant plus du dragon médiéval, qui n'est pas la nôtre, encore une fois. Après, c'est déjà un reptile au Moyen-Âge. Oui, voilà. C'est déjà un premier. Mais un reptile avec des plumes. Voilà, donc un reptile avec des plumes, ça, c'est pas gênant. Voilà, ouais, donc c'est quand même particulier. Je sais pas si, par exemple, si tu mettais un dragon avec des plumes, si t'avais mis, par exemple, dans Harry Potter, dans le quatrième, là, donc la coupe de feu, si t'avais mis dans un des quatre dragons qu'ils affrontent, t'avais mis un dragon avec des plumes, je pense qu'il y aurait déjà. C'est quoi ce délire, quoi, donc, parce que ça correspond pas à notre imaginaire. Alors que voilà, donc pourquoi pas, quoi. Et probablement que s'ils avaient fait ça, on aurait dit que c'est des dragons qui viennent d'Amérique du Sud d'autres endroits, alors que nos dragons occidentaux ont eu des ailes pendant longtemps en plus. Donc, bon, bah écoute, Marion, merci à toi. Je pense qu'on a pas fait le tour de la question, évidemment, parce que là, c'est une question, évidemment, qui est complexe, qui est énorme. Hein, voilà, le jour où tu as fait le tour de toutes les iconographies de dragons d'Occident, tu nous préviens, voilà. Donc, dans 30-40 ans, donc... Avec de la chance, voilà. Donc, mais bon, en tout cas, voilà, c'est un sujet, donc sur lequel tu fais ta recherche, c'est quand même cool, très bien, voilà. Donc, il y a plus chiant comme merde de recherche, on s'amuse, voilà, c'est quand même assez amusant. Et donc, merci, donc, d'avoir partagé donc tes recherches avec nous. Merci aussi à toutes et à tous d'avoir écouté cette émission. Merci aussi à Exomen de l'avoir patiemment monté. Et bien rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Fréquence Médiévale.